Toi, tu n'as même pas honte. Hein? Laisse-moi tranquille. Attends, tu ne vas rien me faire. Attends-moi. Tu ne me feras rien. Tu blagues avec moi. Insensé. Quitte-la. Je suis une folle, toi. Je suis une folle. Je suis une folle. Je suis pas ton ami. Attends, tu verras. Attends. Attends, toi. Tu vois ce que je te ferai. Es-tu ma mère? Imbécile. Une folle. Es-tu ma mère? N'importe quoi. Tu ne m'aimes pas en toi. Tu blagues avec moi. Imbécile. Tu n'as aucune instruction à me donner. Tu n'en as pas même. C'est quoi ça? Tu n'as qu'à faire gaffe. Tu n'es pas ma mère, ni mon père pour me donner des instructions. Une folle. Allez, quitte là. Imbécile. Insensé que tu es. Quoi? Une folle. Une imbécile. Une idiote. Fais-la sortir d'ici. J'ai dit fais-la sortir d'ici. Tu blagues avec moi. Est-ce quitte ici. Sors d'ici. Tu n'as même pas intelligent. Je ne partirai pas. Je ne bougerai pas d'ici. Quitte là. Tu blagues avec moi. Je ne bougerai pas d'ici. Je n'ai même pas honte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, n'importe quoi. S'il te plaît, donne-moi cette bouteille. Je le répète encore. Je suis un fou. C'est une idiote. Donne-moi cette bouteille. Je ne veux plus. Comment peux-tu agir de la sorte? C'est bon. Essaie un peu de te contrôler, non? Donne-moi cette bouteille. Non, je ne veux pas. Donne-moi cette bouteille. Et derrière, Izuma, donne-moi. Regardez mon Dieu. Quitte-la. Je ne fais pas de cette. Mais qu'est-ce qu'il ne veut pas faire toi? Regardez mon Dieu. Non, mais là, ça va. C'est bon. Laisse-moi au moins pour une fois. Tu es une femme. Une imbécile. Je ne comprends pas du tout, hein. Imbécile. Ne me dis pas ça, oh. C'est, tu sais que c'est fou, Mati. Hein, tu le sais. C'est comme ça que tu parles de moi. C'est bon. Tout le jour, il me met mal à l'aise. J'en ai marre. C'est comme ça que tu parles de moi. Izuna, arrêtez. Je n'en peux plus. Je n'ai pas choqué ici. Izuna. Attends, je ne suis pas ta fille. Écoute-moi. Tu es le jeu. Tu es le jeu. Tu blagues avec moi. Attends. S'il te plaît, oh. Hey. Attends. Je continue à me poser des questions. Une tendre relation entre la princesse et le prince mon frère, a subitement capoté en ceci. Cette affaire me tourmente aussi. Hein? Comment peuvent-ils se réveiller un bon matin et devenir les pires des ennemis? Hein? Sans aucun respect à la couronne. Imagine. Même à nous. En tout cas, c'est... Qui sommes les anciens dans ce conseil? Mes anciens? En tout cas, c'est vraiment terrible. Vraiment terrible. Mais de toutes les façons, le remède pour ça, c'est que nous puissions avoir de la patience avec eux. Patience? Mais bien sûr. Angelo, est-ce que tu as parlé de la patience? Mais qui d'autre? Patience pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Hein? Ne peux-tu pas voir que leurs attitudes et leurs comportements commencent à affecter le roi? Cela rabaisse énormément le roi. Oui! Ça rabaisse le roi. Au moins, devons être patients et essayer de trouver un remède pour ça. Non, nous devons... En fait, ceci devient incontrôlable. Nous sommes voyez, en train de voir en fait, comment tout ceci devient incontrôlable. Tu vois? Essayons de faire quelque chose pour ça. Nous ne pouvons pas continuer à dire, attendez. Nous devons intervenir. Les dieux doivent intervenir. Si seulement tu avais appris à ta fille de bonnes manières, tout ceci ne serait pas arrivé. Regardez-moi celle qui est en train de parler de manières. Tu devais apprendre à ton fils de bonnes manières, parce qu'il commence à devenir un monstre. Surveille ton langage. Oh, surveille toi-même ton langage, femme. Sa Majesté, resterez-vous assis là et ne rien faire à propos de ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu t'attends qu'il puisse éteindre le fait que toi et ton fils avez volontairement allumé? Je ne te blâme pas. Je me blâme toute seule pour avoir accepté une deuxième femme dans ces palais. Bien sûr. Si tu étais la meilleure, je n'allais pas être ici. Sa Majesté, excusez-moi. Mmh.
Naye. Je suis inquiète. Alors, qu'est-ce qui dérange ton Pierre exactement? Naye. Tu ne te souviens plus? L'autre fois, je t'avais parlé des songes que j'avais fait concernant notre fils. Que un mascotte le poursuivait. Oui, je me rappelle. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai fait les mêmes songes. Naye. J'ai vu notre fils allongé sur les lits, très faible. Et j'ai senti une présence tout autour de la maison. Et je me suis réveillée. En effet, ton rêve est vraiment étrange. Mais ne te dérange pas. Rien n'arrivera à notre Rien fils. Rien. Les dieux de nos parents vont les protéger. C'est ça. Ne t'en fais pas. Ce sont eux qui sont nos rien gardiens. N'arrivera. Je ne veux que rien n'arrive à mon fils. Non, ne t'en fais pas. Non, ça va aller. Vraiment, tout ça me fait beaucoup réfléchir. Non, 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 non. Ah, ma fille. Oh, ma fille, tu Oui, maman. Cela oui, bien beau. S'il te plaît, fais un effort de manger ta nourriture avant de retourner D'accord, encore maman. Dans la rivière. Tu as écouté ta maman, oh. Vraiment, quelle oui. est quitte. Vraiment, mon mari, c'est ce que je te disais. Nous devons vraiment veiller sur ça. Que cet idiot-là, c'est lui qui vient de donner la terre pour qu'on puisse travailler, nous a donné. Je ne suis pas d'accord avec. Qu'est-ce que tu feras à propos de ça? Tu n'as même pas honte. Le travail était déjà fait. Il n'y a rien que tu puisses ajouter. Hein? Je parle de la prochaine fois. La prochaine fois, on doit être d'accord sur quelque chose avant qu'on puisse commencer à travailler. Vous avez raison. Mais si vous continuez toujours à agir calmement dans cette grande bataille, espérez en lui, nous ne sortirons avec rien, si ce n'est que la misère. Très, très bien. Maintenant que nous avons clos ce débat, maintenant on peut changer de sujet. Changer quoi? La discussion, bien sûr. Dis-moi, qu'est-ce qui est plus important que ce que nous sommes en train de parler ici? Peut-être qu'il veut qu'on puisse parler de sa... je ne suis pas d'accord avec. Et vous, là? Dis-le. Qu'est-ce que vous cherchez à raconter encore? Mais attends d'abord. Bon, les amis, j'avais une petite proposition à faire à ma copine. En ce qui concerne mon anniversaire, qu'est-ce que vous en dites? C'est vraiment merveilleux. Mais mes chers, parlez-nous, vous êtes silencieux. Ok, tap. Oh, finalement. En tout cas, c'est vraiment intéressant que un de nous puisse comprendre qu'il est vieux pour se marier. Exactement. Vous, mes frères, vous devez arrêter de vous déranger, vous comprenez? Nous sommes tous suffisamment âgés, hein? Hein? Il faut arrêter de sortir avec vos femmes dans des hôtels. Concentrez-vous à vous marier. Vous comprenez? N'as-tu pas grandi? Non, c'est toi. Qu'est-ce que tu dis par moi? Et parlant de l'âge ici, vous savez que je suis le plus jeune. Je suis le plus jeune. Regardez-moi celui-ci. Voilà. Ada? Tu sais que nous sommes en train d'utiliser ça pour l'achat d'eau. Oui, je sais. Ah, mon fils. Anaï. Oh, merci. Mon fils, sois le bienvenu. Oh. Papa. Papa, tu es revenu un peu plus tôt. Je crois que tu devais être à la réunion du cabinet. Nous n'y sommes pas arrivés. Juste sur le point de commencer, le prince et la princesse ont commencé leur combat habituel. C'est alors que tout a pris fin. Que des histoires pareilles ne vous arrivent pas. Oh. Mais papa, qu'est-ce qui peut réellement être la cause de la soudaine trahison et de l'incompréhension entre le prince et sa sœur? À moins que j'aie une explication claire. Mais probablement, il y a une solution qui sera apportée à ça. En tout cas, c'est vraiment étrange. C'est très, très, très étrange. Très étrange, mon fils. Mais que tout ce qui se passe au palais ne puisse pas te déroger. Hein? J'espère que papa. Tu vas bien t'y prendre pour la chose que tu es prête à faire. Oui, papa. C'est ce que je dois faire. Non, ça c'est bien. Va à l'intérieur, cherche à manger. Quand tu auras fini, tu vas venir pour une discussion entre père et fils. Merci, papa. Merci. Je t'en prie, mon fils. Merci, papa. Maman,
Hey, mon premier fils. Oh maman. Je pense que tu as un ventre creux, hein? Mon ventre est vide, maman. Je sais que tu ne supportes pas la faim. Va manger. Maman. Vous n'êtes pas sérieux. Et toi, qu'est-ce qui te fait rire? Et puis, oh, s'il te plaît, lève-toi, allez, va lui prendre la nourriture. Allez, lève-toi rapidement. Tu auras ce bâton qui tombera sur ton corps. Tu auras ce bâton sur ton corps. Je vais le faire. Maman, suis là-haut. Elle va te servir. Pas de problème. Laisse-moi l'aider. Maman, toi là, attends-moi là. Hey. Children are blessings, oh, but houses are fire, oh. Royalty is attractive to the eyes, but the palace is on fire. Votre Majesté, excusez-moi. Izuna n'est pas dans le palais. Hé hé! Izuna que j'ai vu il y a quelques minutes. Assis là dehors. Ah. Hé! Yeah, regarde sa bouche. Izuna que j'ai vu il y a quelques minutes assis à l'extérieur. J'avais dit qu'il n'est pas dans le palais. À la minute que tu l'avais vu assis à l'extérieur, il s'était déplacé. Toi, assieds-toi bien. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Elle me pose des questions. Nous sommes supposés être dans une réunion. Alors comporte-toi bien. Où est ma part dans cette réunion? Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Hey, comment peux-tu imaginer que ta folle de fille puisse bien réfléchir? Oh, ne me provoque pas! N'ose pas appeler ma fille n'importe comment. Je suis la seule et la seule qui peut l'appeler n'importe comment. Attends, maman. As-tu entendu comment est-ce qu'elle m'a appelée? Je veux dire, comment est-ce que cette vieille dame qui m'a es-tu? N'es-tu pas une folle? Hein? Nous savons tous que tu as un problème dans ta tête, n'est-ce pas? Tu dois vraiment être stupide. N'ose plus jamais dans ta vie me parler de la sorte. Hein, on verra. Pour qui te prends-tu? Que vas-tu faire? Tu veux m'importuner. N'ose plus jamais. Je ne parle jamais aux folles. Vous allez tous me laisser. Hein? Sa Majesté. Vous allez tous me laisser. Il a dit que tu sortes. Vous Dégage. Allez tous. Sa Majesté. Tu vois maintenant? As-tu vu ce que tu as causé? Ah! Ferme-la! Ferme! Mère et fille, toutes des folles. Si ton fils lunatique était ici, on allait tenir cette réunion. Allez, sors de là. Le roi a dit que tu sortes. Le roi a dit que tu pars. Dans ce cas, vas-y, non? Tu dois partir. Tu n'es pas la première femme. Il faut prêcher par exemple. Alors prends le chemin. Je dis sors. Tu es la deuxième femme et je dois exercer mon autorité dans tu ce palais. Tu n'es pas sérieuse. Sors. Juste après toi. N'est-ce pas qu'on t'a épousé la première? Après toi, je vais sortir. J'ai dit sors, oh, Ezigné, sors. Oulona, vas-y. Vas-y. Mon roi, demande-lui de sortir en premier parce que c'était la première femme. Tu es la seconde femme. Tu dois obéir à mon autorité. Vas-y. Thank you.
et bienvenue. Merci. Laisse-moi t'aider. Ne t'en fais pas, maman. Laisse-moi t'aider, ma fille. Fourier. S'il te plaît, tout doucement. Doucement, non, doucement. Lève-toi. Lève-toi. Maman, ne te dérange pas. Mais tu es toujours une fille forte. Même en étant aveugle, tu continues toujours à travailler. Hein? Maman, pourquoi tu me parles ainsi? Je suis aveugle, mais cela ne m'interdit pas de travailler. Je te le répète tout le temps. Hein? Et ça me dérange énormément. J'aurais souhaité que tes parents soient en vie pour témoigner. Mais ils ne peuvent. Ils ne sont plus. Ils ne sont plus. C'est quoi plus ça, maman? Maman, ne me dis pas que tu pleures, oh. Ne me dis pas ça. Maman, ne pleure pas, je t'en supplie. Si tu plais maintenant, moi, qu'est-ce que je veux faire, hein? S'il te plaît, maman, ne te mets pas à pleurer. Maman, s'il te plaît, ne pleure pas. Oh. S'il te plaît, ne pleure pas. Maman, ne pleure oui. pas. Ok, ne pleure Allons pas, maman, à s'il te plaît. Bonsoir, papa. Papa, bonsoir. Bonsoir, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Le même type de rêve. Le même type de rêve à chaque fois. Et notre bal masqué? Papa, je n'arrive pas à comprendre. Hein? Papa, comment es-tu la seule personne à expérimenter ceci? Et non moi. Hein? Tu continues à voir un bal masqué qui me poursuit en rêve. Et à chaque fois, afin que tu puisses te réveiller. Papa, ça m'étonne énormément que tu sois la seule personne à le faire et pas moi. Hein? Ça me dérange aussi énormément. En fait, je ne peux pas expliquer. L'autre fois, j'étais en train de discuter avec Ikembe. Il m'avait dit que sa femme était aussi en train de faire le même rêve à propos de son enfant. Papa, une solution doit être trouvée pour ces choses étranges. Je ne suis plus confortable avec ça. S'il te plaît, papa, essaie de faire quelque chose. Hein? Quelque chose doit être... Papa, vous devez faire quelque chose. Oui, nous devons faire quelque chose. De toutes les façons, tu as raison. Tu as raison. Je solliciterai aussi l'aide des autres anciens. Papa, ça sera mieux. Ça sera mieux. Je le ferai. J'ai convoqué cette réunion parce que on dit souvent qu'on ne part pas au champ de bataille premièrement avant de s'asseoir sur une table de conférence. Vous avez parlé comme un roi sage. Princesse. C'est quoi le problème avec toi? Pardon. Viens. Mon roi, les anciens, excusez-nous. So ethnic confusion. The powers been abused, oh. And people are victims of this power abuse. The powers been abused. En fait,
J'aimerais demander si chacun de vous a peut-être une solution à proposer par rapport à tout ça. Rascality di nobodo biwe. Yo yo. The power's been abused oh. Asim rascality di nobodo biwe. O biwe. The power's been abused oh. Tu m'ignores juste parce que je n'ai pas d'argent, n'est-ce pas? Exactement! Exactement! Va en ville et va chercher de l'argent comme les autres! Ah ah! Tes amis sont là-bas en ville en train de chercher l'argent et toi tu es ici pour me parler de l'amour! Ah ah! Oui! Tu fais passer ton temps ici pour rien, jeune homme! Va chercher de l'argent en ville et tu reviens pour la prendre et elle va t'appartenir pour toujours! Mais je t'aime! Il est courageux. C'est avec les babouches pareilles que tu me parles d'amour. En fait, c'est babouche. Oh mon cher, va chercher l'argent. Va chercher l'argent et puis nous allons parler de l'amour. Ugochi, mais je t'aime. Tu es mon tout. Laisse-la tranquille. L'amour là ne suffit pas. Va chercher l'argent. Quitte ici, pardon. Hey Ugochi, j'ai beaucoup fait pour cette femme vraiment. Qu'est-ce que ça signifie ce que tu es en train de faire? Tu n'as pas honte? Regarde ce que tu as porté. Et pourquoi tu distrais ton père à la réunion qu'il a avec les anciens? Je ne comprends pas. C'est pour ça que tu m'as emmenée ici? Maman, c'est la maison de mon père. J'ai la liberté de me promener. J'ai le droit de partir où je veux. Dois-je te demander la permission? Vraiment? Donc ta définition d'être libre au mouvement, c'est ce que tu es en train de faire. Tu es une femme pour l'amour de Dieu. C'est quoi ton problème? Maman, tu sais quoi? C'est vraiment très clair que tu manques à faire. Je veux dire, c'est très clair. Pourquoi es-tu inquiète pour ce que je fais et ce que je ne fais pas dans ce palais? C'est la maison de mon père. Je ferai tout ce que je veux et bien quand je veux. C'est quoi ton problème? Tais-toi! Es-tu folle? T'en veux encore? Maman, m'as-tu giflé? Et je vais continuer à faire ça si tu continues à réagir de la sorte. Children are blessings, oh, but houses are fire, oh. Royalty is attractive to the eyes, but the palace is on fire. Comment est-ce que Hugo, tu peux vraiment me dire tout ça? Juste à cause d'argent. Hey, les femmes. Mais que puis-je faire pour avoir cet argent? Ah, elle m'a vraiment insulté aujourd'hui. Même si j'ai parti en ville, comment vais-je m'installer? C'est ça encore le plus grand problème. Même si j'ai parti en ville, tous ces hommes vont me la ravir. Je suis confus. Sa Majesté le Roi. S'il vous plaît, nous sommes désolés, les anciens. Nous sommes vraiment désolés. Wherever you are, the way you live your life, you will be someday. Le bonheur d'un enfant, il émeut la maison. Et quand il se décide de brûler la maison, il doit savoir les conséquences de ce fait. Et surtout, une petite existence apporte le bonheur à tous. Et pourquoi me connais-tu? Tu es folle. Mais c'est quoi avec toi, non? J'ai remarqué que tu m'as touché. Ne me cherche pas à remarquer que tu m'as touché. Ne provoque pas. T'es touché. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi est-ce que tu veux te décliner? Pourquoi ton corps est en train de cogner? Pourquoi ton corps est en train de cogner? Je suis là pour te voir. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Oh.
se passe. Hein? Je me sens très mal parce que j'ai rencontré Gauche hier. Hein? C'est pas amusant, hein? C'est pas amusant. Attends, s'il te plaît. C'est juste à cause de ce qui s'était passé hier que je suis dans cet état. Hé! Hey! Mon frère, fallait être là. Elle m'a totalement insulté. Elle s'est même moquée de moi au même moment. Elle s'est moquée de moi. Moi. Qu'est-ce que tu penses, mon frère? Qu'est-ce que tu penses, mon frère? Hein, mon cher? Pendant que les autres partaient en ville trouver de l'argent, toi, tu étais resté ici juste pour t'occuper de Ugochi. Hein? Ugochi est l'amour de ma vie. Ton amour. Ne peux-tu pas réaliser cela? Elle est l'amour de ma vie. Ton amour. Mais comment vais-je encore le dire pour que vous puissiez me comprendre? Tu es ici en train de penser à une femme. Du moment où il y a beaucoup d'hommes comme toi, en train de gagner des millions. Et toi, tu es ici, en train de penser à une femme. Nous t'attendions hier pour aller à nos affaires. Mais toi, tu es là, en train de penser aux femmes. Mais comment tu es créé? Hein, tu comment? Tu veux continuer à vivre une vie misérable? Au lieu de travailler, tu penses aux femmes? Regarde, Aliézé, je n'ai pas de temps à passer dans des bêtises. Moi, tel que je me vois ici, j'ai beaucoup de chats à fouetter. Je dois aller chercher l'argent. Une fois que je l'aurai gagné, il n'y aura aucune femme qui s'élèvera contre moi. Mais c'est vrai. Je vous ai appelé, mes amis. Maintenant, vous êtes là en train de vous moquer de moi. Mon frère, va en ville et oublie un peu à propos de femmes. Vas-y, en ville. Aliézé, il n'y a rien que je ne puisse te dire. Tu es suffisamment grand pour être responsable de tes actes. Et regarde-toi maintenant, tu penses à Ugochi? Alors, s'il te plaît, Onyézé, il est mieux qu'on s'en aille. Laissons-les dans ce bêtise. Allons-y. D'accord, nous partons. Hein. Reste là. Ugochi. Le prince et la princesse mettent du désordre dans ce royaume. Qu'est-ce qui se passe? Mon frère, leur manière de se comporter devient incontrôlable. Nous sommes vraiment fatigués d'eux. Ah. Mais c'était avant, ils s'aimaient autant. Et maintenant, ils se battent comme des enfants. Ils doivent rentrer en Europe. Ils doivent aller vivre très loin de ces royaumes. Rentre à ton poste. D'accord. Izuna, je vois vraiment que ta folie commence à affecter ta vision. N'as-tu pas vu que je suis ce programme? Pourquoi as-tu changé de chaîne? Au contraire, je trouve qu'ici, c'est toi qui as un problème mental. As-tu perdu ta tête? As-tu oublié à qui tu es en train de parler? Le prince couronné. Le prince héritier de ce royaume d'Amukwe. Écoute très attentivement. Je ne dois à personne aucune explication. Pas toi, ni personne dans les palais, ni moi encore dans tout ce royaume. Est-ce que tu comprends? Izuna, tu es à la recherche de mes troubles. C'est je te le donnerai de la même façon que tu le désires. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je n'arrive pas très bien voir. Izuna, donne-moi la télécommande. Donne-moi. Et tu ne peux rien faire. Ah. Qu'est-ce qui se passe ici? Maman, peux-tu imaginer? J'étais assise ici en train de regarder un programme à la télé. Izuna est en train avec sa stupidité et a changé de chaîne. Je n'arrive pas vraiment à le comprendre. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Izuna, donne-moi la télécommande. Izuna, laisse-moi la voir. Donne-les-moi. Pourquoi tu fais des choses comme si tu ne savais pas peigner les cheveux? Tu es en train de faire comme si tes mains ont été coupées. Oui? Maman, écoute-moi. Écoutez-moi tous. Nous irons tous au champ demain récolter les feuilles de manioc. Alors, vous devez vous apprêter. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi fais-tu ces visages? Ne me dis pas que
ne me dis pas que demain tu tomberas malade. Papa, oui. Non. Tu es au juste. Non. Oui. Que tu le veuilles ou pas, sache-le que demain tu vas nous suivre au chat. Je crois que tu m'as. Maman, maman, que je reste à la maison préparée. Je sais qu'à votre retour de champ, vous serez affamée. Non, j'insiste. Quand tu vas revenir du champ, tu vas alors préparer. C'est quoi avec toi, lait seulement? Je pense que je t'ai déjà averti. Ha! Chaque jour, partout, c'est mon champ, au champ, regarde au champ. Regarde là. Sa Majesté, si seulement les grands sages a de livrer nos enfants, tous les jours nous serons en paix. Sa Majesté, permets-moi d'être franche avec toi. Nous devrions faire quelque chose à propos de ces enfants avant qu'ils ne puissent se donner la mort entre eux. Pourquoi tu es en train de faire semblant? Pourquoi tu faisais comme si ce n'est pas toi qui es en train d'encourager ton fils? Je suis en train d'essayer de garder mon calme. Ne me provoque pas, je te défends. Qu'est-ce que tu vas me faire? Non, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis très dessus avec vous deux. Vos enfants sont devenus quelque chose d'autre. Au lieu de leur montrer un bon exemple. Et vous deux êtes là en train de vous chamailler. Sa Majesté, c'est de sa faute. Toi également. C'est toi qui commences. Arrête de sa faute. Ça. Je veux que reviennent les femmes de paix dont j'ai épousé. Je veux les enfants des paix que vous deux m'avez donnés. Je te demande de faire attention, fais très attention. Je t'interdis, fais gaffe. Tu me Zoïma, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Zoïma? Tiens, prends ça d'abord. Viens. Que tu racontes? C'est quoi avec toi? T'es toujours comme ça que ça se passe. Tu es fatiguée? Que tu le veuilles ou non? Je sais que tu es fatiguée. Mais tu peux quand même essayer, non, chère amie? Pourquoi tu étais toujours comme ça? Kerti, je n'apprécie pas votre façon de parler. Je ne préfère pas. Pourquoi pouvez-vous dire de telles choses? Tu t'attendais à ce que je dise quoi? Et Luzonam, tu es le plus âgé de nous tous. Et à ton âge, tu ne veux pas te marier. Tu as dit non à trois hommes. Oh. Trois! Qui ont demandé ta mère en mariage? Qui peut faire ça? Kachi, veux-tu qu'elle épouse quelqu'un qu'elle n'a pas aimé juste à cause de son âge? Excusez-moi, vous parlez de l'âge. Quel âge a-t-elle? Elle est âgée? Naï, bon après-midi, s'il vous plaît. Naï, je vous dis bon après-midi. Oh, bon après-midi, ma fille. Ah,
Comment tu vas? Mais vous avez un problème. Je vous parlais, vous ne m'écoutez pas. Oh. Hein? Ah, ça va? Non, je ne vais pas bien. Ça ne va pas au Goji. Hein? Ça ne va pas. Comment pourrais-je très bien me porter du moment où je n'arrive pas à retenir l'attention d'une si magnifique femme comme toi? Hein? Qui a même refusé de m'accorder une seconde pour lui parler, hein, Ugoji? Non, mais je t'aime. Tu parles de quel amour? Que cet amour-là te tue, hey, Ugoji. Et que nos dieux te ferment cette bouche-là. Naï, respecte-toi, oh. Respecte-toi, s'il te plaît. Toi, un vieux papa, tu es là seulement à courir derrière les petits-enfants. Respecte les bonnets que tu mets sur la tête. Si tu ne veux pas te respecter comme ce que tu mets sur ta tête, je vais te ridiculiser, Ugoji, dans ce village. Rabaisse un peu ta voix, je t'en supplie. Ne me demande pas de baisser ma voix parce que c'est toi qui m'as bien provoqué. Je prendrai soin de toi. Tu vois simplement tel que tu es là, hein? Tel que tu es là. Je prendrai vraiment soin de toi. Je prendrai soin de toi. Après tout ce que tu peux avoir tel que tu es là. Hein? C'est ça. Naï, je te respecte pour ce que tu as mis sur ta tête là. Mais prochainement, n'ose pas m'arrêter sur la route pour me parler de l'amour. Parce que tu vas pas aimer ce que je vais faire. Hein, s'il te plaît, hein, donne-moi cette chose. Si tu refuses de me donner, hein, si tu refuses de me donner en paix, je t'assure que tu vas me les donner par force. Naï, que la foudre s'abatte sur toi. Si tu oses, tu verras ce qui va t'arriver. Hein, hein. Si tu refuses de me les donner en paix, hein, je t'assure que tu iras les donner au prince par force. Je t'ai dit la vérité. Donc, cet homme est en train de te draguer. Hey, ma chérie, je t'avais dit que ce village est plein de histoires. Quand j'étais là, un autre malade. Tu ne vas pas me comprendre parce que tu n'étais pas là. Mais si je te disais... Je me suis juste arrêtée pour le saluer parce que je sais que c'était un ancien. Avec le bonnet d'Itché qu'il a sur sa tête, je l'ai salué. L'homme n'a pas répondu. J'ai voulu savoir s'il allait bien, non? Juste parce que je fais ça, cet homme commence à chercher mon corps. Il parle de l'amour. Non, mais faut pas rire. Vraiment. Donc moi, je vais abandonner tout ce jeune homme du village pour aller m'associer à un papa vieux qui peut être mon grand-père, écarter mes jambes pour lui. Mais je dois être folle. Hein? Oh, Gochi, tu peux le faire. Toutes les femmes le font aussi. Je ne saurais pas. Plus sérieuse fille, c'est pas moi, Gochi. C'est que j'ai toujours détesté être draguée par un homme marié. Ça, en tout cas, moi, ça ne peut jamais arriver au je nom t'assure. De Jésus. Je t'assure. Ça, c'est quelle malédiction? Non, non, ça n'arrivera pas. Il y a une personne à l'intérieur qui est en train d'écouter tout ce qu'on est en train de parler. Va, allons, ma chère. Laissez-moi vous rappeler, Ezenona a 30 ans aujourd'hui. Ah oui, elle a le même âge que mon grand frère, sauf qu'elle a quelques semaines de moins que lui. Je ne comprends pas en quoi c'est un problème. Je ne sais pas. Depuis quand l'âge devient un obstacle dans un mariage? Demandez-leur, oh! C'est elles qui sont engagées. Ma chère, allons-y. Comment vous pouvez la soutenir avec une telle décision? Qu'est-ce qu'il y a? Ma chère, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ma chère, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Elle Arrête ça, s'il te plaît, arrête ça. Non, ne peux pas faire
tu te réveilles, lève-toi, lève-toi, pardon. Oh. Ah, pourquoi ça? Lève-toi. Attends, attends, attends. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Lève-toi. Oh, c'est fou. Lève-toi. Non, 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 non. Lève-toi. Lève-toi. Ma Zidé, hein? Je pense que Wachi est le meilleur tireur de vin dans ce village. Ouais. Qui ne le sait pas? Hein? C'est le meilleur fabricant de vin de palme qu'on a dans ce village. Il n'y a d'ailleurs personne à compétir avec lui dans d'autres villages. C'est comme s'il essayait d'ajouter du sucre naturel pour obtenir ses goûts. Hey, c'est bon, Nani, hein? Nani, s'il vous plaît, vous devez venir avec moi, c'est très urgent, s'il vous plaît. Venez avec moi maintenant. Oui, allons-y. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Voyez, quand votre chance vous échappe, même vos propres acquis. Hey. Hey. Mon Dieu, la mort, le pire nous est tombé. Cette fille, elle était vraiment une fille de paix. Et elle est morte comme ça. Les dieux de notre terre, qu'est-ce qui a causé vraiment sa mort? Et là est la question que tout le monde est en train de se poser. Tout le monde se pose la même question. Hein? Je veux dire, ça c'est un mystère. Un mystère incompréhensible. Laisse-moi te dire, mon frère, ces mystères doivent être évités, afin de ne pas perdre beaucoup d'âmes. En tout cas, il le faut. Il le faut. Et puis, laissez-moi vous dire que c'est un cas fréquent dans le monde aujourd'hui. Beaucoup d'enfants sont morts à l'âge très bas, sans même connaître le mal. Non. Vous non, trouvez? Non. Je ne crois pas à vos opinions. Comment ça? Il y a beaucoup à faire pour que nous puissions déterminer la cause de sa mort. Oui. Arrêtez de dire tout ça. Tu n'aurais pas dû lui dire toutes ces atrocités que tu as dit à son sujet. Je sens comme si elle est morte à cause de ce que je venais de lui dire. Cathy, arrête de t'accuser. Cathy, toutes nous avons pris langue avec elle avant qu'elle meure. Tes parents n'ont rien à voir avec sa mort. S'il te plaît. Je me sens coupable. Qui pouvait savoir ce qu'elle avait en tête avant de mourir? Cathy, tout on ne croyait pas que cela allait arriver. Tu le penses vraiment? Oui. C'est une bonne personne. Ce n'est que la volonté de dire. Comment le saurons-nous? Quelle mort mystérieuse!
C'est une chose qu'on n'a jamais imaginé vraiment. Qu'est-ce qui a causé cela? Hein? Montre-toi! Révèle-toi! Non, qui ne parle pas! Non, suivez-le! Non! Arrêtez-le! Papa, mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi l'as-tu laissé partir? Je suis ici pour lui! Papa, pourquoi as-tu fait ça? J'avais vraiment besoin de lui. Papa, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein, princesse, qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Maman, j'étais en train de m'amuser à l'intérieur. Papa était venu tout gâcher. Et maintenant, le gars est parti. Oh! Tu t'es mouillé? Au milieu! Je t'avais dit que si tu le veux, tu seras mouillé au milieu! Izuna, arrête ça! Mon dos! Izuna, arrête ça! Je lui avais dit que c'est très doux! S'il te plaît, arrête ça, Izuna! Très bon! Au milieu! C'est très bon! Bonsoir, papa. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais bien, papa. Mais tu devais au moins me demander avant de manger. Pourquoi es-tu en train de manger pendant que je t'ai pas demandé de manger? Oh, papa, attends, papa. Regardez, il y a quelque chose à discuter avec vous. Hein? Je pense qu'il n'y a pas de problème. Non, papa. C'est bien, alors? Ah, oh, papa, je pense qu'il est temps pour moi de m'installer. S'installer? Oui, papa. Tu veux dire t'es marié? Oui, papa. Oh, c'est très bien. C'est une merveilleuse nouvelle. En tout cas, c'est la très bonne nouvelle que j'ai entendue. Merci, à cet papa. Instant. C'est très bon. Alors, tu es prêt à t'installer, te marier? Dis-moi, quand vais-je voir cette femme? Papa, dans 3 jours. Dans 3 jours? Donc, je devrais attendre 3 jours, c'est ça? Pourquoi pas aujourd'hui? Est-ce si tôt? Calmez-vous, papa. Papa, vous êtes tellement excité, hein? Je veux la voir, non? Je veux la voir. Je sais. Vous voyez, hein? Ce jour-là sera beaucoup spécial pour moi. Je voudrais vraiment en faire de ça une journée mémorable. Voilà pourquoi j'ai choisi 3 jours. Un jour spécial. Y a-t-il quelque chose que j'ai raté? Et pourquoi ce jour est si spécial pour toi? Papa. Je suis vraiment surpris que tu aies oublié le jour de ma naissance. Oh! Je suis désolé, mon fils. L'âge avancé commence à me faire perdre ma mémoire. Je suis vraiment désolé, mon fils. Je suis désolé. Non, je comprends, je papa. Je suis désolé. Je comprends. Oui. C'est juste que je voudrais que tu vois la femme de ma vie. Ma femme, celle qui est tout pour moi. J'espère qu'elle sera aussi belle que ta défunte mère. Papa ne va même pas là-bas, oh. Vous et moi, personne ne peut contester l'ultime beauté de notre maman. De toutes les façons, tu as raison. Ta mère était énormément belle. Elle me manque aussi. Je te jure, elle était vraiment belle. When the whole world fails me, when man rejects me, I'm out of my chin. When the whole world fails
amarna chire somno so. Qui pourra garder cet aveugle comme femme? Agnésée, honnêtement, tu m'as vraiment déçu. En fait, comment est-ce que le fait qu'elle soit aveugle peut l'empêcher de se marier? En fait, le fait que tu n'épouses pas l'aimer ne veut pas dire que personne d'autre ne l'aimera. Et dans ce cas, prouve-moi alors, il va la prendre. Hein? Ok, d'accord. Maintenant, regarde-moi faire. Tu ne veux même pas dire quelque chose? Quelque chose comme quoi? Tu as poussé Anayo d'aller aimer cette pauvre fille. Je dois te dire félicitations, tu as réussi. Donc, tu essayes de le soutenir qu'il puisse épouser une aveugle? Hey! Ce n'est pas vrai. Viens. Je vais dire, quand est-ce que tu vas commencer à prendre les anti-malaria? Je ne comprends pas. C'est bien, écoute. L'aveuglement la rend faible. Et laisse-moi te dire, cet aveuglement ne stopperait pas un homme de l'épouser. Elle est aveugle, oui, bien sûr, j'accepte. Laisse-moi te dire que tout homme qui l'aimera sera ses yeux. C'est l'amour qu'elle cherche. Oui, je ne te blâme pas parce que tu ne sais pas ce que c'est l'amour. Pardon, je te conseille toujours d'aimer l'état de la nature. Merci. Pourquoi ne vas-tu pas la chercher, au lieu de dire n'importe quoi? N'importe. Ici, on dit par exemple, mon nom, maman, bon, rogue, malaria. Est-ce ton problème? Tu as des vertiges. Va-t'en prendre les anti-malaria là-bas. Parce que je l'ai laissé au champ. Mais qui est en train de me suivre? C'est qui? Je sais que quelqu'un est en train de me suivre. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux de moi? Oluchi. Je m'appelle Anayo. Anayo? Je reconnais pas le nom d'Anayo. Mais pourquoi tu es en train de me suivre? Hein? Je suis désolé de t'avoir effrayé, mais il y a quelque chose que je voudrais parler avec toi. Hein?
S'il te plaît. Je pense que c'est pas un problème. Oh non. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu vois, je ne veux pas que tu comprennes mal ce que je te dirai quand je voudrais te dire ça. Tu sais. Je sais pas ce que tu as en tête, mais ça se voit que tu ne veux pas parler. Alors laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Oluchi, s'il te plaît. Oluchi, tu vois, hein? Oluchi, regarde, je t'apprécie. Oluchi, je t'apprécie. Je t'apprécie, hein, s'il te plaît. Oluchi, s'il te plaît, attends. Oluchi, attends, s'il te plaît, Oluchi, pardon. Calme-toi. Oluchi, attends, s'il te plaît, je vais te dire quelque chose. Aïe. Tu aimes toujours me taquiner. Tu ne peux pas te réveiller un jour sans me taquiner. Et dis-moi pourquoi, mon cher. Qu'est-ce qu'il y a, mon cher? Je ne sais pas. J'ai entendu dire qu'il s'occupe de milliers de femmes. Ce n'est pas vrai. Tu crois vraiment que lui peut être dans ces villages? Je te dis, je sais qu'il n'est pas comme ça. C'est pas vrai ce que je crois. Et tu sais, les gens disent même qu'il peut aller partout chercher juste pour aller s'occuper du millier. Je vous dis. Mon amour, combien tu es belle, chérie. Je t'aime de tout mon cœur, bébé. Ikem. Mm-hmm. Vraiment. Ok. Devine quoi? Quoi? Devine d'abord, s'il te plaît. Je ne sais pas deviner. Mon amour. Oui. Je vais t'amener voir mon papa après demain. Et après cela, tu vas me dire quand est-ce que je viendrai voir ta famille. Ikem, es-tu en train de me faire la demande indirectement? Oh, Malaysia. Ikem. Veux-tu m'épouser? Oh, Malaysia. Je sais que tu mérites le meilleur dans ta vie. Même si je n'ai pas la lune à t'offrir, mais crois quand même à moi. Fais-moi cette faveur de devenir la mère de mes enfants. Oui, je vais t'épouser. Oh, Malaysia. Sérieusement. Je pense que je suis celui qui est le plus préoccupé présentement. Parce que je cherche déjà à m'installer pour te prendre et venir chez moi. Ne dis pas ça. Tu ne sais pas pendant combien de temps j'attendais ce jour ici. Vraiment? Vraiment? Oui. Hein? Mais pourquoi tu ne me l'as jamais dit depuis tous ces temps? Je n'étais pas obligée de le dire. Tu sais que je suis une femme. Non, je comprends. Je ne vais pas comprends. Être la première à le dire. Je comprends, chérie. Bonjour mon prince. Bonjour mon prince. Je voulais... Qu'est-ce que tu es venu faire? Approche-toi là. Tu vas nettoyer. Toutes ces choses que je vois sur ta poitrine, sont-elles réelles? Oui mon prince, c'est réel. Laisse-moi vérifier.
Mon prince, c'est... Viens là, approche. Je dis viens, avance. Attends un peu. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Je suis sûr que tu vas aimer les faire avec mon moi. Mon prince, j'ai cru que tu voulais... Je sais, mais calme-toi. S'il te plaît, viens, viens là. Mon prince... Viens ici, s'il te plaît. Viens ici, viens mon ici, prince... non, s'il te plaît. Izuna, qu'es-tu en train de faire? Mais maman, pourquoi es-tu une tueuse de joie? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Qui t'a invité ici? Donc si je n'étais pas arrivée, c'est comme ça que tu allais abuser de cette pauvre fille? Hé, maman, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as à voir avec tout ça? Je sais juste de l'accorder une faveur. Pourquoi utilises-tu ces mots? Maman? Alors, qu'est-ce que tu es en train d'essayer de faire? J'essaie juste de savoir si elle est douce au milieu. Tu es malade. Mawaja, tu peux partir. Mais c'est malade. Pourquoi tu lui as demandé de partir? Pourquoi tu lui as demandé de partir? Était ton invité? Est-ce ta chambre? Tu sais, je l'avais presque pris. J'étais presque prêt à la prendre au milieu. Tu commences à devenir malade. N'importe quoi. J'étais vraiment en joie et tu dois apprendre à rester dans ta chambre. Je voulais la ramener dans mon lit. J'avais presque réussi. Papa, je suis venu vous parler. Papa, je ne vais plus encore le répéter. Je veux que vous puissiez parler à votre femme. Parlez à cette femme. Dites-lui de rester très loin de mes affaires. Restez loin de mes affaires. Votre Majesté, je vis un crime de passion commis par Izuna. Quand je suis arrivée, je le trouvais en train de chercher à violer une servante. Ce n'est pas vrai. Es-tu arrivée jusqu'à ce point? Maintenant, vous la défendez? Maintenant, vous la défendez? Est-ce que vous m'avez demandé ce qui s'est passé? Non. Je vais vous dire ce qui s'est passé. J'étais dans ma chambre. Ma chambre. J'étais très proche de la jeune fille. J'étais très proche de la jeune fille. Et cette femme, qu'on appelle votre femme, est venue et elle a tout gâché. Et maintenant, vous prenez sa défense? Attends un peu. Tu as dit que tu étais très proche de... Très proche de la ramener dans mon lit. Oh. Ah, ah. Et puis, c'est très bon au milieu. De quoi est-ce que vous parlez, pardon? De quelle servante tu parles? Est-ce que tu as dit que tu étais proche de l'âme de... Très, très proche. Très, très proche. Mais elle a écarté de moi. C'est très doux au milieu. Et c'est là où c'est... Écoute. Viens. Viens, mon fils. Une femme qui manque à faire. Quand tu n'as rien à faire, reste dans ta chambre. Comment oses-tu? Izuna! Savoir que c'est très bon au milieu. Pareil, lunatique. Hey, l'original lunatique, bien ésiné. Nous savons que c'est ton fils. Qu'est-ce qui ne va pas du tout, si tu sais. Maman, pourquoi tu te stresses? Il ne va rien faire. Ça, c'est vraiment mon écart, ça. C'est juste folie. Es-tu en train de partir? Es-tu parti? L'original lunatique mère, mon roi. Oh, c'est not close in the middle, yeah, yeah. Que de bon. Hein? Yeah, yeah. Yeah, yeah. Personne n'est sauf dans ces palais. Le prince
n'est pas une personne qui inspire confiance. Il va certainement le répéter. J'ai pitié de Berry, car c'est lui qui s'occupe de la chambre du prince. Eh oh! Donc, tes pensées ne sont pas sur ce que nous sommes en train de faire. J'aimerais bien flirter avec lui, juste pour le séduire. Alors j'aurais sauté sur l'opportunité. Mais Tina, de quoi parles-tu? J'aurais aimé être à sa place. J'aurais largement écarté mes jambes pour que le prince vienne et retrouve son chemin. Quoi? Je souhaite avoir ce privilège qu'il vienne sur mon chemin. Maintenant que je comprends que tu as vraiment perdu ta tête. Je sais à quoi vous pensez, oh, mais je n'ai rien à commenter. J'ai juste donné mon avis. Et c'est là que je me tiens. J'aurai le désir de sentir la pénétration du prince dans mon corps. Tina! Je n'ai jamais imaginé quelque chose de la sorte. Hé! Hey! Ne suis pas cette fille. Elle est vraiment une vraie folle. Elle est vraiment folle. Infoma, je suis Patine. Je suis amenée de la maltraiter et de mettre dans des conditions. C'est juste parce que parfois son influence est plus qu'elle avance. C'est qu'il a fait sa faire comme ça. Que personne ne dise, il ne lui reste que 2 semaines pour quitter ce palais, je vous assure. N'importe quoi, elle va quitter ce palais. Nous devons prier et tu connais le sujet de cette prière. Tu connais le réel problème de cette communauté. Personne ne peut dépasser l'âge de 30 ans. Et tu sais que cela ne pas de notre qu'il en soit ainsi. Amen. Mais toi, tu vas dépasser cet âge. Amen. Juste comme tes frères et sœurs. Dieu a été bon et merveilleux pour nous. Et il les referra à nouveau au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions à Sacha qu'il est vivant. Ribabassan Damasès. Rien ne pourra arriver à ma fille au nom puissant de Jésus qui est Nazareth. Personne ne vaincra ma fille et personne ne la conduira dans de mauvais chemins au nom puissant du Seigneur Jésus. Exauce ta fille, protège ma fille au nom puissant du Seigneur Jésus Christ. Ma fille va dépasser l'âge de 30 ans et rien ne pourra l'arriver au nom puissant du Seigneur Jésus Christ. Je crois que je suis l'homme le plus heureux de te recevoir aujourd'hui chez moi. Ce n'est qu'un villageois qui ne sait pas que son frère est un invité. Je suis très heureux. Qui ne sait pas faire la quai. Laisse-moi d'abord te trouver le noir de poulain. Ça, c'est bien. Qui est là? Ozodema. Papa. S'il te plaît, va me prendre le noir de cola pour mon frère Onowu. Ne t'inquiète pas. Ok. Onowu, mon frère. Écoute-toi. Oui, mon frère, tu es le bienvenu. Comment va ta famille? Comment va tout le monde? Ils sont tous bien pourtant, oh. Ils sont tous bien, oui. C'est très bon. C'est bien. C'est très bon. C'est bien. En tout cas, c'est une très grande joie de te recevoir chez moi aujourd'hui. Bienvenue, Nai. Bienvenue. Ma fille. Noma. Mon frère. Onowu. Ah, Idié. Elle a déjà déposé le nom de Kola. C'est ce que j'aime de plus. Pourquoi l'observes-tu comme ça? Pourquoi je ne peux pas la regarder? C'est mal la regarder? Je la regardais parce qu'elle ressemble à ma fille. tu vois, c'est ça. Tu as compris maintenant. Je comprends maintenant. S'il te plaît, mon frère. J'ai le noix de cola. Ta fille a grandi. Oui. Parlons du sérieux. Vraiment. Que les dieux vous donnent tous ces dons vous avez besoin. Vraiment. Que vous soyez bénis. Il sait. Que vous retrouviez tout ce que vous avez perdu. Il sait. Le bonheur. Que ceci vous accompagne partout. Il sait. Que nos dieux protègent vos enfants de partout. Personne osera de leur faire du mal. Il sait. Je te l'affirme. Onowu, mon frère, je suis très content. Oui, mon frère, tu as vraiment raison. Tout est fini, les restes on peut manger. Non. Est-ce que tu apprécies? Le travail est déjà fait.
Ono. Oui. Il y a quelque chose qui me dérange énormément. Oui. La manière dont nos gens sont en train de mourir ces derniers temps. Je m'inquiète énormément pour ça. Tu n'es pas dérangé de plus que moi. Il y a quelques fois, je sens comme si je vais questionner les dieux. Mais au juste, qu'est-ce qui ne va pas dans notre royaume? Honnêtement, les dieux doivent avoir une réponse pour ça. Quelques minutes, bien. Quelques heures après, bien. Ça, c'est plus mystérieux que nous le pensions. Bien. Seul le Dieu qui peut nous sauver. Attendez. Salut mon prince. Je vous salue. Attendez. J'ai dit attendez. À chaque fois que vous rencontrez votre prince, vous devez vous approcher. Est-ce que vous avez compris? Oui, mon prince. Très bien. Maintenant, restez là où vous êtes. Je dois confesser que vous trois, vous avez de belles tailles et vous êtes encore très très belles. Je suis sûr que vous allez être mieux au milieu. Je suis désolée mon prince, je suis désolée. Oui, désolée. Ce que vous faites n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Oui. Désolé mon prince. Vos bouches? Désolé, oui. Comment pouvez-vous parler au même moment que le prince? Êtes-vous folle? Désolé, nous sommes désolés. Et comment osez-vous parler? Est-ce que vous allez bien? Vous pouvez fermer vos bouches? Désolé pour vous-même. Devinez combien j'aimerais vous avoir, vous toutes trois. Vous allez parler. Vous les filles et... Toi, tu sens... Et toi, tu sens du yogre gris. Et toi, tu sens du n'importe quoi. Alors, je ne peux rien avoir avec vous trois, aujourd'hui, mais prochainement. Alors, la prochaine fois que je serai en contact avec vous trois, j'aimerais que vous sentez bon. Alors, vous irez à la maison. Vous allez prendre votre douche et vous allez vous laver soigneusement. Et spécialement, la chose qui se trouve au milieu. Ne jouez pas avec ça. Gardez ça propre et fraîche. Qu'est-ce que j'ai dit? Fraîche, mon prince. Fraîche. Gardez-la fraîche. Quoi? Fraîche. Fraîche. Gardez-la fraîche. Quoi? Fraîche. Gardez-la fraîche. Oui.
tout au milieu. Ça, c'est quelle sorte de prince qui se comporte très mal comme ça? C'est quoi ça même? Pouvez-vous imaginer la façon dont il nous regardait? C'est comme si nous étions des prostituées. Luffy, c'est ce qui vous concerne vraiment tout en parlant de ça? Vous n'avez pas entendu ce qu'il disait? Qu'il est ceci, qu'il est cela, et la prochaine fois qu'il nous verra, il va vraiment... Il est vraiment stupide. Je ne peux pas me déverger par un fou comme lui. Me déshonorer par un fou comme lui. Les filles, en tout cas moi, j'appartiens déjà à mon proposant. Et fini pour moi en tout cas, je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Nous souffrons dans ce village. Allons-y. Mon fils. Papa. Aujourd'hui est le jour de ta naissance. Oui, papa. Et tu m'as également apporté une très bonne nouvelle. Merci, papa. Oh, donne-moi tes mains, je vais prier pour toi. Comme tu vas expérimenter la nouvelle étape de ta vie, laisse que le Dieu puisse te garder. Qu'il t'accorde tout ce qui apporte de la joie sur les visages des humains. Qu'il te donne la réussite. Tu seras grand. En fait, plus grand que ce que tu apparais. Merci, papa. Mon fils, merci joyeux beaucoup. Anniversaire. Je suis fier de vous. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, papa. C'est bon. C'est bon. Si, papa. Papa. Je dois déjà partir. Ok, d'accord, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui arrive? Oh. Va appeler. Papa, c'est va quoi? Les autres. Va. Emeka. Qu'est-ce qu'il y a? Va! Emeka! Va appeler les autres! Va trouver de l'aide! Qu'est-ce qui arrive? Oh! Emeka! Emeka! Oh! Emeka! Oh! Oh! Hey! Emeka! Emeka! Mon Dieu, je suis fini! Oh! Emeka! Ça c'est vraiment mal. La personne que j'ai vue il y a 2 jours est morte. La nouvelle est répandue presque partout. Ça ne sera pas mon partage. J'ai confiance en mon Dieu. Ma question est pourquoi il meurt? Toutes les personnes qui totalisent 30 ans finissent par mourir. Et personne n'est en train d'en parler. Là, c'est pour ceux-là qui croient en leur tradition. Mes sœurs sont passées par là. Et aujourd'hui, elles ont grandi. Et très bientôt, j'aurai aussi cet âge. Et rien ne va m'arriver. Cette loi ne sera pas sur ma tête, je le déclare. Amen. Ça commence à me déranger. Ça commence vraiment à me déranger. Nos enfants commencent à mourir juste au moment où ils atteignent l'âge de construire leur vie. Hein? Et ma question est celle-ci. Quel est ce mystère qui est lié à cet âge? Quel est ce mystère associé à cet âge? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Kembe. Oh, qu'est-ce que tu disais? Tu disais quoi? Tu demandes c'est dans ton père. Et Kembe, tu veux me dire que depuis tous ces temps, tu n'es pas avec nous? Hein?
À quoi passes-tu? Et cette tragédie? Elle n'est pas assez forte pour déranger les pensées des anciens. Je suis en train de penser à autre problème. Et j'ai libéré mon esprit. Je vois. Parlons de ta réflexion. Alors laisse-moi te demander, Kenny. Est-ce que tes réflexions ont quelque chose à voir avec ton fils? Chez toi et on t'a dit que tu es ici en train de pleurer. S'il te plaît, arrête de pleurer, ok? Cathy. Oui? Comment je peux arrêter de pleurer? Qu'est-ce que je fais de mal? Pour qu'il me prenne la seule personne qui me rendait riche. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Ça suffit. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Chérie, on ne peut pas expliquer le mystère qui est derrière tout ça. Mais c'est ce que je crois. Tu retrouveras encore ta joie. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Tu parles de la joie? Oui. Cathy, ne me dis pas ça. Parce que Emeka est le seul homme qui me rendait heureuse. Il est la raison de mon bonheur. Soba. Ta mère est toujours là pour toi. Oui. N'ose plus jamais le dire. Oui, ça suffit. Si tu arrêtes de pleurer, ok? Laissez-moi seule. Partez d'ici, laissez-moi seule. Je vais rester seule. Nozo, je t'en prie, s'il te plaît, nous sommes là pour te consoler. Allez-y, laissez-moi seule. S'il te plaît, non. Ce que tu fais, là, ça ne va pas t'aider. Arrête, s'il te plaît. Ma chérie, s'il te plaît, non. Quittez ici, quittez. Laissez-moi seule. Pardon, non. Laissez-moi seule parce que vous ne savez pas ce que j'ai raison. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Ah, parce que vous ne savez pas ce que j'ai raison. Ah, mon Dieu, tu es où, papa? Ma chérie, arrête de pleurer, on t'aime. Ce n'est pas Anayo, c'est le prince de ce royaume. Bonjour mon prince. Je te salue, très belle femme. Je vois que tu vas déjà bien, pas besoin de demander. Bien? Heureusement, tu ne peux pas voir la main qui te touche. Mon prince, qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
À quoi est-ce que ça ressemble ce que je suis en train de faire? J'essaie juste de t'aider. Je ne comprends pas. Comprends. Je suis tellement heureuse pour toi. Tu as totalisé tes 30 ans. Oui, oh, mon Dieu est plus grand que cette malédiction. Et crois que tu y arriveras aussi. J'y crois aussi, je ne mourrai pas. Ça, qu'est-ce qui t'a fait, Seigneur? Il t'a fait le prince. C'est le prince qui t'a fait ça. Seigneur. Alors calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Je veux t'amener. Sois calme. Calme-toi. Calme-toi. Oh,
s'est passé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je t'assois, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui s'est passé? S'il te plaît, assieds-toi. Assieds-toi, non. Lève-toi, lève-toi. Assieds-toi ici. S'il te plaît, dis-moi, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Le prince a fait quoi? Le prince l'a violé. Il a violé qui? Il a violé. Mais comment? Quand je revenais de la forêt, j'étais allé chercher mes pièges. Et quand je sortais de la forêt, j'avais vu quelqu'un en train de coucher avec une femme agressivement. Quand je me suis approché, c'était le prince. Quand j'ai découvert cela, je n'ai pas dit beaucoup de choses parce que c'était le prince. Hey! Les dieux de notre terre! Hey! Pourquoi est-ce que le prince a violé ma fille? Pourquoi? Pourquoi est-ce que le prince a brisé la fierté d'une femme de cette façon? Les dieux de notre terre! Le prince a violé ma fille! Je suis finie! Je suis finie! À ton père avant qu'il ne puisse le découvrir. Crois-moi, il faut que j'en parle à mon père. Tu sais, hein, je ferai tout mon possible pour être loin du prince. Tout le monde dans ce village savent que le prince et la princesse sont lunatiques. Et alors, doivent-ils commencer à faire du mal aux autres? Et tout ça parce qu'il est prince de ce royaume. Ça c'est vraiment méchant. Tu serais de m'échapper de ce prince. Avant de penser à comment j'allais finir entre ses mains. Gachi, il arrive. Attends vite. Oh, criaille. Les dieux sont toujours silencieux vis-à-vis de nous. Ah, mais c'est quoi tout ça? Voyons, pourquoi est-ce que les dieux sont toujours silencieux? Je me demande, pourquoi sont-ils toujours silencieux? Sont-ils fatigués de nous? Demande-les-leur, nous voulons savoir s'il vous plaît, hein? C'est quoi notre crime? Qu'avons-nous fait pour mériter tout ceci, s'il vous plaît? Pourquoi? Pourquoi est-ce que nos enfants sont toujours en train de mourir à 30 ans? Nous voulons savoir. Un mystère m'est toujours révélé quand les dieux se décident de parler. Tu es la voix des dieux. Oui, ils te prêtent l'oreille. Tu les écoutes et ils t'écoutent aussi. Mais c'est quoi? Parle-les. Parle-les, je te préviens. Les grands sages, écoutez. Hein. S'ils ont besoin des sacrifices, nous sommes prêts à pouvoir donner tout ce qu'ils voudront afin que nous puissions trouver la réponse que nous cherchons. S'il te plaît. Nietzsche,
les anciens. La patience, la patience. La patience. Patience. Hein? Vous voyez maintenant? Hein? Vous voyez ça? Vous pouvez voir ça? Oh, waouh! Allons-y alors, partons. Ça nous dépasse, oh. Ne me dites pas que vous êtes en train de croire à tout ce que ces pauvres femmes sont en train de raconter. Pensez-vous vraiment que même s'il n'y avait plus de femmes dans ce monde, j'aurais quelque chose à voir avec celle-ci? Papa, je comprends très bien que c'est très doux au milieu, mais pas quand même avec celle-ci. Je ne suis pas sûr qu'avec celle-ci, ça sera doux au milieu. Alors s'il vous plaît, retirez-moi de tout ça. Je ne l'ai pas fait. Votre Majesté, voici le témoin. Vous pouvez lui demander. Jeune homme, as-tu été témoin de quelque chose? Je suis en train de te poser une question. Réponds-moi. As-tu perdu ta voix? Pardonnez-moi, Votre Majesté. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Mon fils. Non. Pardon. N'es-tu pas celui qui avait vu le prince violer ma fille? Hé, attention! Pourquoi est-ce que ne blague pas avec moi. Maman! Esine, respecte-toi. Femme, prenez votre fille et partez. Il semble que vous ne reconnaissez pas la personne qui a commis cette atrocité. Mon fils, le prince, ne peut pas. Il n'a rien à voir avec tout ça. Alors écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas reconnaître le violeur d'une aveugle. Non, c'est le prince qui a fait ça. C'est lui qui a fait ça. C'est le prince. Lui-même, il avait dit son nom. Il avait cité son nom, c'est le prince. Maman, c'est lui qui a fait ça. C'est le prince qui m'a violé. Je vais te dévorer de mes propres mains. Je vais t'étrangler et te faire sortir des yeux. Qu'est-ce que tu blagues avec moi? Tu penses que je suis... Je te tiendrai par les coups, Izona. Ne me cherche pas, Izona. Toi, tu es du n'importe quoi. Ne me cherche pas. Toi, tu es du n'importe quoi. Je le suis. Tu es une très petite chose. Je suis là pour toi. Qu'est-ce que tu vas me faire? Allez, quitte devant moi. Dis-moi, Izona. Tu vas me violer? Viens-tu me violer comme cette fille-là? Et tu verras comment est-ce que je veux m'en charger de cette petite vie que tu as. N'importe quoi. Regarde ce que tu as fait. N'importe quoi. Et c'est quoi ce regard? Tu veux aussi la violer? Et pourquoi vous restez comme ça? Vous n'avez rien à faire? Quittez ici! C'est quoi tout ça? Vous blaguez avec moi?
life like it doesn't matter. On matava, on matazienu, ikwerezienu. Cause everything you do in this life, the world will come. Treat people the way you desire, and you'll be safe. And never get carried away by what you have in this life. Everything will fade someday. Rascality, di nobodo biwe. When the whole world fails me, when men reject me, I'm a rama, chide sumwanya. When they betray me, when they abandon me, I'm a rama, chide sumnabia. When the whole world fails me, when men reject me, when they betray me, when they abandon me, I'm a rama, chide sumnonso. Ooh, ah, chide sumnonso, chide sumnonso. Chérie, ça c'est vraiment malo. Comment un prince de ce village peut être un violeur? Ce n'est pas qu'il a violé une personne normale, mais il a violé la pauvre aveugle. Oh, Chidema, Chidema, comment le prince peut violer ce pauvre aveugle? Ah ah, Chidema, comment il peut violer l'aveugle tant que toi tu es ici? La belle fille que tu es libre pour lui. Ah ah, moi, je sais que tu es une fille inutile, je l'ai toujours su. C'est pas comme si ça allait faire un problème pour toi. Ça n'allait pas être un problème. Ah, tu es vraiment sérieuse. Je ne veux juste pas faire attention à ce que tu dis. Non, mais il ne pouvait pas faire ce genre de choses, non? Mais je n'ai pas compris. Oh. Après tout ça, qu'est-ce qui s'est passé alors? Ma chérie, en tout cas, Dieu doit délivrer cette terre. Oh, parce que je ne comprends plus ce qui se passe dans ce village. Qu'il nous en parle, oh. Issé. Hey, allons-y. Mes enfants, nous tous les anciens, nous étions sanctuaires aujourd'hui. Le grand prêtre nous a dit que les dieux sont encore silencieux. Je suis inquiet parce que je ne veux pas que quelque chose du mal t'arrive, mon fils. Oh, papa, tu recommences encore, hein? Je t'avais dit que rien ne m'arrivera. Personne ne me perdra, tu dois comprendre ça. Peu importe la cause,
Tu sais, tout ceci, tout ce qui s'est passé, je n'étais pas là quand ça avait commencé, hein? Je n'étais pas là quand cela avait été acté. Et comment tu peux croire que je peux goûter à quelque chose que je n'ai pas préparé? Papa, Anayo a raison. Mon instinct me dit ceci. Il y a une personne, bien sûr, en dehors de mon frère. Oui, papa, je te dis la vérité. Rien n'arrivera à mon frère. Mon frère est innocent. Mon fils, cette chose que tu vois m'a été donnée par mon propre père. Prends-les, lis ça sur ton ange. C'est pour te protéger. Prends. Non, papa, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de tout ceci, hein. Je t'ai déjà dit. Rien ne m'arrivera. Personne ne me perdra. Tu ne me perdras pas. Et je ne peux pas. Je Anayo, ne peux pas porter ces trucs. Tu sais que papa a encore besoin de toi. Donc, il ne veut pas qu'il y ait quelque chose de mal derrière. Je sais que tu ne mourras pas. Mais prends-le seulement. Mais prends-les. Il faut que tu te protèges. Tu ne mourras pas. Non, mais fais ce que je t'ai dit. Anayo. Attache ça à ton ange. Oui, en tant qu'un homme, ça. Ne doute pas. Fais ce que je t'ai dit. C'est pour ton bien. Je ne vous ai pas demandé d'entrer. Pourquoi as-tu abusé de cette pauvre aveugle? Donc tu la crois? Izuna, je suis ta mère et je sais de quoi tu es capable de faire. Tu as réussi à duper tout le monde et à oser parler en mal de cette pauvre enfant. Mais tu ne joueras pas à ça avec moi. Vas-y, arrête-moi ou emmène-moi dans une station de police. S'il te plaît, maman, si tu n'as rien d'important à me dire, alors maman, laisse-moi regarder mon match de football. Maintenant, écoute, tu dois aller à la maison de cette pauvre fille et t'excuser pour tout ce que tu as fait. Après cela, tu seras arrêté pour tes actions. Qu'est-ce qui t'amuse? Maman, pourquoi es-tu en train de rêver? Oui. Maman, comment espères-tu vraiment que je puisse aller dans la maison de cette fille? La maison de cette fille aveugle et pauvre. La maison de cette fille misérable. Tu me demandes à moi de te suivre. Le prochain roi de ces royaumes. Réveille-toi, maman. Réveille-toi. Izuna, écoute. Aussi longtemps que je serai ta mère, et n'oublie pas que tu as sucé mes deux seins. Et sache que tu dois aller avec moi dans cette maison. Je dois te donner des instructions. Tu mens, maman. Tu mens. Je n'irai pas dans cette maison. Et d'ailleurs, si tu es sur le point de pouvoir discuter avec moi, je n'ai pas ces dons. S'il te plaît, respecte-toi. Maintenant, si tu n'as rien, excuse-moi, je regarde mon match de football. Princesse, ont profané le trône secret. Quelquefois, je me pose des questions. Est-ce qu'il y a la malédiction ou c'est pour cette terre de l'étranger? Vous dites quoi là? Non, mais pourquoi parlez-vous comme si vous ne savez pas ce qui se passe? Qu'est-ce que vous dites là?
La vérité, c'est que personne ne sait d'où viennent ces comportements. Hey! Vous tous, vous étiez là l'autre jour, quand elle était en train de fumer et de danser comme une folle. Vraiment comme un fou. Mais oui. Tu veux imaginer cela? En fait, il est d'ailleurs une fois venu nous dire de bêtises non. à l'endroit de la princesse. Chikeru, comment peux-tu dire ça? Tu es la personne là, ni est placée pour cette mission. Pourquoi pas toi? Non, pas moi, je t'envoie toi. Et tu connais très bien la culture plus que moi. En effet, je reviens de la maison de Ono. C'est ça. Chike, tu es en très très bonne position pour aller parler au prince. Et revenir nous dire qu'est-ce que tu as causé avec eux. Dans ce cas, nous allons lui envoyer une foudre. Non, tu es le mieux placé. Tu dois aller. Mange ta nourriture. Pleurer ne changera pas les choses. S'il te plaît, ma fille. Maman, j'ai pas faim. Tu sais bien que tu ne me dis pas la vérité. Tu as faim. Depuis hier, tu n'as rien mis dans la bouche. Et te voir dans cette condition me dérange énormément, s'il te plaît, ma fille. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse, ma fille? Ne pleure pas, non. Ne pleure pas, Dieu. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Arrête de pleurer, pardon. Ne pleure pas. Je veux manger, ma nourriture, s'il te plaît, ne pleure pas. Je veux manger, ma nourriture. Je veux manger toute seule, pardon, ne pleure pas. Je veux manger, ma nourriture. Je veux manger, ma nourriture. Je veux manger. Non, je veux plus pleurer, ma fille. Oui, je veux plus pleurer. Vas-y alors, mange ta nourriture. Nous devons nous poser la question de la façon dont le peuple meurt. Je crois qu'il faut aller demander où. Et à qui penses-tu demander? Hein? Agnésé, n'est-ce pas le grand prêtre? Rester silencieux pendant longtemps. Où à nos pères qui sont les plus démunis dans cette situation? Je suis d'accord avec toi. Chercher la réponse auprès des anciens de ces villages ne va pas nous aider. Ah. Je pense que nous devons aller voir les gens du village voisin afin de trouver la réponse pour une solution permanente. Qu'est-ce qui te fait rire? Vous savez, pour que vous puissiez dire ceci, ça signifie que vous n'êtes même pas conscient que les quatre villages voisins que vous avez soulignés viennent vers notre grand prêtre pour de l'aide. Et si Akolou Magane ne donne pas cette solution, ce problème qui fait surface, mes frères, alors c'est difficile, oh, c'est difficile, mes amis. Maman, bon après-midi. Bon après-midi, mon fils. Comment vas-tu? Je vais bien, maman. Maman, je suis venue voir Olochi. Anayo, c'est bien toi? Oui, c'est moi. Comment vas-tu? Je veux bien. Mon fils, viens t'asseoir comme ça. Moi, je vais entrer dans la maison. Merci beaucoup, maman. Onye nwere ne maka, ụwa na-atụ ya n'ọnụ amara.
ça va? Je veux bien. Tu es sûre? Oui. Pourquoi tu me demandes? Parce que tu parais troublée, là. Je veux bien. Je suis pas troublée, je veux bien. Ok, ok, tu vois, je suis venue ici pour, ce que je t'avais dit avant. Je suis, sérieux à propos de ça. En fait, je t'aime sincèrement. Ok, de toutes les façons, je t'aime de tout mon cœur. Tu ne dois pas avoir peur, hein. Tu ne dois pas être effrayé, ok? Regarde. Que le Dieu nous en épargne. J'ai une mission à accomplir sur cette terre. Ok? Accorde-moi juste cette chance de te prouver cet amour. Ah. Regarde, tu n'as pas besoin de dire quelque chose. Tu n'en as pas besoin. Hein? Regarde, je vais te donner tout le temps dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de répondre maintenant. Ok? Mais tu dois savoir dans ta tête que Anayo Chukwu t'aime beaucoup. Et t'aime réellement, t'aime sincèrement. Veux de toi. Ok? Prends soin de toi. Je t'aime bien. Honnêtement, j'ai envie de quitter ces palais. Sinon, les enfants du roi nous tueront un jour. On ne tuera personne. On ne tuera personne. Maintenant, tu veux me dire que tout ça arrive de soi-même? Regarde son bras. La princesse l'a blessée juste parce que par erreur, elle a cogné son pied. S'il te plaît. Dis-moi maintenant, quel est cet humain qui peut faire ça? Elle risque de t'entendre. Tout le monde dans ces palais sait que ces enfants ne sont pas normaux. Laisse-moi. Je m'en fous de ce qu'ils sont. Je m'en fous. Ils sont méchants. Je sais que tu es fâchée. Je le sais très bien. Tu sais, ils sont vraiment méchants. Pour avoir un petit rien, pour aider nos familles, tu comprends un peu? S'il te plaît, ma chérie, sois calme. Essaie un peu de te maîtriser. Oh, ma chérie, je suis désolée. C'est juste cette plaie qui sera mieux. S'il te plaît, ma chérie, arrête de pleurer. Arrête de aller. S'il te plaît. Qui est-ce? Oluchi, c'est moi, Izu. Izu? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Regarde, je suis ici pour te dire désolé, hein. Je suis désolé d'avoir menti contre toi la fois dernière au palais. C'était pas intentionnel. Je suis désolé. Cela n'a aucune différence maintenant. Tu as déjà fait ta part. Non, c'était pas pour ça, hein. S'il te plaît, c'était pas pour ça.
Le prince était au palais. Hein? Il était en train de me faire des signaux qu'il allait me tuer, s'il te plaît. Ce n'était pas intentionnel, je suis vraiment désolé. Hein? Pardonnez-moi, pardon. Hein? Izu, tu m'as pas fait du mal. S'il y a une personne à qui tu devais demander pardon, c'est Dieu, pas moi. Je sais, hein? Mais ça c'est un péché contre Dieu et contre toi aussi. Hein? Je suis vraiment désolé, pardonne-moi, comprends-moi. Je n'ai rien contre toi. Oui, j'ai compris ce que tu as essayé de faire. Tu t'es sauvé avec ta famille. Je te comprends, ok? Qui sait? Je pouvais faire pareil si j'étais à ta place. Je n'ai rien contre toi, oh. Je t'ai pardonné. Je vous offre cette noix de cola. Comme il est de mon devoir de vous nourrir. Et comme je le fais, ouvrez vos bouches. Après l'avoir consommé, je voudrais que vous puissiez parler. Que vous me reverriez. Igrigogo, 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 Igrigogo. Tu es un humain. Ou je te conjure, l'esprit de confusion puisse te déranger. Si tu es un esprit, révèle-toi et dis-moi ce que tu veux me dire. Ou j'ordonne que l'esprit de confusion te tourmente. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit pour cette révélation. Ton nom soit béni, ton nom soit béni. Oh Jésus. Alléluia. Oh, sœur Rebecca. Pasteur, tu m'as appelé. Monsieur, bienvenue. Merci monsieur. Dieu vient à peine de me donner une révélation. Ok. Oui. Il veut que je rentre dans mon village pour délivrer mon peuple d'une emprise diabolique. Ok. Et comme d'habitude, je voudrais que toi et la sœur Jeannine puissiez me rejoindre. Ok. Alors nous partirons demain. Oui. Alors va à la maison, prépare-toi. On part déjà demain. Ok, monsieur. Dis-lui que j'ai dit ainsi. C'est bien, monsieur. Que Dieu te bénisse. Merci, monsieur. Laisse-moi juste partir chez eux pour les former. Dieu te bénisse. Merci, monsieur. Dieu te bénisse. Au revoir, monsieur. Votre Majesté, dans ce cas, je suggère qu'on aille chez Agogo pour qu'on puisse trouver une solution à ce problème. Non, 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 non. Agogo, c'est loin d'ici. Voyager, aller loin pour appeler le voyant, c'est l'insulte pour ce royaume. Ça ne se passe pas comme ça. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as écouté. Oh, oh, tu veux maintenant suggérer que nous puissions fermer nos mains
et que nous attendions que le Dieu puisse parler avant que nous fassions quelque chose? N'as-tu aussi rien à dire? Iken, ce que tu es en train de nous dire, c'est mourir en silence. Je ne sais même pas pourquoi des fois tu penses comme un enfant. Lorsque le bras dépasse le coude, ça devient une mauvaise chose. Mm-hmm. Si chez nous, nous n'avons pas pu trouver de l'aide, alors nous devons essayer d'étendre que nous puissions même chercher dans d'autres villages. Dans d'autres villages. Je pense que c'est ça la solution. Non. Là n'est même pas la question. En fait, ce n'est même pas nécessaire. Mm-hmm. Nous ne pouvons pas nous ramener à une telle faiblesse. Nous ne pouvons pas aller à d'autres contrées, nous ne pouvons pas aller à d'autres villages pour chercher de l'aide. Cela va nous avilir, nous deviendrons plus faibles. C'est ça! Ah ah! Mes anciens! Igwe! Igwe! On dit toujours que lorsqu'un roi agit en concertation, son règne sera celui de la paix. Votre opinion est vraiment... Votre majesté. Votre majesté. C'est quoi ça? Votre majesté. Le dieu de notre terre.